Hey, salut à tous, c'est Excel, on se retrouve pour la troisième VOD déjà du cycle Full Cestus sans bouclier, tout à la roulade, que j'enregistre en live, puisqu'à l'heure actuelle on est sur Twitch. Il y a pas mal de gens sur Twitch d'ailleurs, dont des gens qui sont abonnés, donc ça fait quand même vachement plaisir, merci à vous. Les gens sur YouTube, j'espère que ces petits cycles comme ça vous plaisent, je m'excuse d'avance pour ma voix qui est toute cassée, et également pour le fait que là, pour le coup, c'est vraiment pas une vidéo que je vais faire à 100%, c'est vraiment genre j'avance, je finis le jeu, et après on fera peut-être d'autres jeux, j'ai notamment Odin Sphere que j'aimerais bien vous montrer, puisque la version Life Trazir et le nouveau gameplay, alors certes, rend le jeu légèrement plus facile, mais vraiment ça reste un plaisir, voilà. Et du coup, bah, coucou à tous les gens du chat qui sont restés, on a un peu plus de 200 et on va reprendre. On devait aller au bastion de Pharaon. Joie, félicité dans vos cœurs. Il y a des gens qui follow la chaîne, donc bah, merci à vous. J'ai pas trop suivi les follow parce qu'il n'y a pas de bruit. J'ai du bruit quand il y a un don ou un abo. On va passer par où? On va passer par là. Ah mince. Ça commence très bien. Ah bah oui, en plus je me suis pas fait... Tout va bien, vraiment. T'en as pensé quoi de Salt and Sanctuary? Bah écoute, je lui ai mis 8 sur 10 sur Gamekult. Ce qui est une très bonne note. Ah ouais. Ah la violence. Hey, Crazy Warlock qui rejoint les Sunbro. Merci mec, merci pour ton sub. Bienvenue, des bisous. Et allez, un petit émote pour toi. Hop. J'ai pas un arc ou une connerie à lui jeter, lui, là. Ne serait-ce qu'un couteau, je serais content. Ouais, je les ai vendus, mes couteaux de lancer. Attendez, je vais tester la technique du « tu les fais tomber », genre t'es un speedrunner. Ils sont pas tombés. On pouvait invoquer Zolik pour qu'il se tue lui-même. Ah ouais, c'est drôle ça. C'est génial. C'est génial. Merci. Très très drôle. Ouais, le Lushi Gatana que tu chopes au tout début du jeu, tu peux terminer le jeu avec. Donc tu peux aller en New Game Plus sans problème. Tu le commences une fois que t'as fini Fallout, et ben
Bon courage. Je pense pas que t'es terminé demain. Je vais peut-être aller me choper l'anneau d'Avel pour le plaisir. Et puis pour les âmes que ça rapporte quand même. C'est pas con. Ah ouais, direct. J'hésite à juste m'acheter le miracle là pour se soigner. J'ai pas eu le courage d'aller jusqu'à la fin de Fallout 4. D'accord, bah merci pour l'astuce, Ignika. Ah, tu peux les clouer au sol, c'est génial. C'est exactement ça qu'on voulait. Je suis mort pas mal de fois aussi hein, sur cet ennemi là, si ça peut te rassurer. Cité la vraie, alors. Non. Non, non, parce que les lanceurs de parasols, ça fait longtemps qu'ils me font plus peur dans Dark Souls 1. Et ils m'ont jamais fait peur, ils m'ont toujours énervé. Et dans le 3, j'ai trouvé ça drôle, mais c'est tellement mieux fait, cette zone. J'arrive plus du tout à parler, c'est ouf. Je comprends pas comment je l'ai perdu. Attendez, je vais boire un coup. C'est mieux là? Non, c'est pareil. Bon, bah vous avez le droit à Exerve en mode crooner. De miel. Heureusement que t'as la Dotara pour prendre soin de moi. Là, c'est bien parce que je vais choper d'autres fragments de titanite.
Bon, allez. Je sais pas ce que ça va donner, lui. Hein. Je le sens moyen. On va voir. Sont bien. Éviter peut-être de trop spoiler sur le chat. Ouais, enfin bon, de toute façon, j'ai déjà fini le jeu en live hein, ici. Mais... Ah, j'en ai que 3. Il va m'en falloir un de plus. Lord Samael qui se dévoue pour amener le miel si quelqu'un ramène la 1070. Bah écoute, c'est noté. Ah mince, c'est qu'une gemme lourde ici. Ah, il va falloir aller choper un autre large titanite. Si jamais vous avez des idées de trucs à échanger auprès du petit corbeau, je prends. Je prends beaucoup. Alors... La Chaos Blade est un endroit très significatif. Tiens, j'avais pas... Non, mais c'est pas que je veux la liste, parce que je peux l'avoir. Hein. Dites-vous bien que j'ai cette nouvelle technologie qu'on appelle. Non, ce que je voulais dire, c'est que. Comme j'ai pas. J'ai la flemme en fait de retourner sur le bureau, parce qu'en plus, là, comme mon ordi, il est pas forcément très puissant. Très envie de le flinguer en faisant des haltes de table et des machins comme ça. Bon, les tuer, les faire tuer par le feu, ça marche toujours autant. Ouais, bah je l'ai déjà fait en fait la bombe incendiaire, s'il n'y a qu'un seul échange possible. Ah, on peut l'éviter lui, putain super, moi je le saurais pour certaines vidéos YouTube. Salut canard. For Honor, c'est un jeu multi, hein, de ce que j'en ai compris. Je sais pas trop. J'étais bien hypé au tout début, et puis maintenant un peu moins, on verra. On verra ce que ça donne. Le son du jeu devient faible, c'est parce que je parle de moins en moins fort. Comme j'ai mal à la gorge, je vous avoue. Je ne m'amuse pas à crier, mais je peux essayer de faire un effort.
porter au secours. Elle est la sagesse. Et on arrive au moment du live où je dois me faire les autres trous de balle au cestus. Et ça, génial. Je peux baisser légèrement le son du jeu, ouais. Non, non, mais ça va foutre la merde parce que après j'ai mes réglages pour les VOD qui sont plus bons. Je préfère me rapprocher du micro comme ça et ça sera beaucoup mieux pour vous. Ok, j'ai tout épuisé pour les grands fragments, et ben, tant pis, voilà. J'aurais bien aimé en choper un autre. Ah si, si, je peux aller complètement. Hey, 5€ pour du miel. Ben écoute, c'est ça que t'as écrit, hein. J'arrive pas à lire, mince, j'ai pas mis le commentaire assez gros. Donc je n'ai pas vu ton commentaire, mais merci infiniment. Je pense que c'était pour acheter du miel. Putain, vous avez des pseudos de plus en plus longs, quoi. Quentin, Céline, ex-soldat, avec des underscores et tout. Salut à toi. Ouais, je peux aller tuer le dragon. Alors, tuer le dragon, je sais pas trop comment je peux le faire. Il faudrait que j'aille choper l'arc. C'est un peu contraire au run, mais bon. You come back alive. Now, I need your business. Do not be away over long. Oh. Eh bah écoute, 30€ de la part de Julien, bah dis donc. Merci. Carte graphique. On avance. Merci beaucoup les gars, c'est vraiment fou. Hop, alors je vais faire quoi? Je vais augmenter ma vie, parce que ça va bien m'aider quand même. Face au truc. Tiens, je vais penser. Truc. Tant que je vous tiens, je vais juste augmenter la typo. Des trucs de dons. Parce que c'est écrit beaucoup trop petit. Voilà. Voilà, pour les prochains, ça marchera. On va faire un don, un test. Ouais, c'est cool. J'arrive à le lire. Nickel. Hey! Et donc, une fois de plus, merci à Samaël et Julien. Hop, alors, donc, j'ai le truc de cestus à lui filer. Putain, je suis deg, il m'en manque une. Il m'en manque un. Où c'est que je peux choper ça? Je pourrais acheter plein de bombes incendiaires et les jeter sur le dragon, on va faire ça. Bombes, on est pas mal. Goodbye. Bah ouais, je sais pas, parce que la stamina t'en as tellement. Quand je vois, tu vois, avec ces armes là la quantité de coups que je peux faire avant de vraiment me retrouver à Welp. Là, je suis parti pour faire la fin holo avec Henry et tout le bordel. C'est pas du tout là où je voulais aller. Bon, c'est pas grave, ça marche aussi. Ah bah ouais, one shot, hein. Vous croyez quoi, les gars? Qu'on veut.
complètement raté. Alors là, avec le son du jeu, j'espère que vous allez quand même m'entendre. Je vais peut-être couper le son temporairement. Alors on va retenir effet sonore, j'étais à 6 ou 7, je sais plus. Hop, voilà, on va les couper juste le temps de trouver. Ah, je peux en avoir que 20 d'un coup, mais oui. Quel imbécile je suis. Alors attends, parce que on va quand même essayer de lui jeter une bombe. 21, ah ouais, je vais rien faire avec ça. Non, il aurait fallu que j'ai un arc, bon tant pis. On va pas y couper. Je vais aller essayer de faire les Watchers. On va bien voir. Hein. Ouais, je vais augmenter juste les voix. Welcome home, I shall speak thine heart. Hop. Touk touk touk. Non, c'est pas là. C'est là. Ouais, non, je pourrais le faire à l'arc, je sais bien, mais... Ouais, en fait le dragon c'est pas que tu peux le buter, c'est juste que tu peux venir avec 50 flèches à peu près et le tabasser, ça marche bien. Mais tu le fais fuir et tu chopes un grand fragment, voilà. Ah bah, je l'ai tué plus vite que tout à l'heure. Et tu gagnes du coup une grande titanite qui m'aurait permis de passer à plus 4, plus 5 plutôt. Ça aurait été la vie complète. Je suis très rassuré là. Je vous avoue que c'est un peu le moment que je crains ce boss là, mais bon, bah, on va se dire que ça va passer. Je suis du genre optimiste. Je peux éventuellement choper l'armure des Sunbro, ouais. On va essayer avec ça. Bon, c'est sans conviction, hein. Mais on va voir. Ouais, c'est la phase 2 qui risque d'être un peu galère parce qu'il est. Faut vraiment que j'arrive à me coller à lui. On va essayer d'abuser du. Ah ouais, d'accord. C'est comme ça le jeu.
Ok. Entre nous, moi depuis le début j'avais aucun doute, hein. Je veux dire, ça allait bien se passer, c'était évident. Incroyable. Surpuissance du truc, quoi. On va bien choper des grands fragments là dans cette zone. Forcément, le mec qui se balade avec 23 000 âmes qui tombe dans le vide après avoir tué un boss à main nue. Ça, c'est le classique. Pour l'instant, je suis infusé force. Et je suis niveau 40. Non, le Flynn Ring, ça sert à rien. J'ai pas encore pigé. Je crois qu'il faut être à 3 ou 4 de poids max. C'est-à-dire. Enfin, c'est rien quoi. Je suis à 25. Enfin, vous voyez, genre. Même en gros. Voilà, même comme ça, il faudrait que j'enlève un anneau pour pouvoir l'utiliser. Enfin, c'est. Aucun sens. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de donner l'armure à ce bon vieux Sigvard. J'espère que je me le suis pas mis à dos. Je vais aller récupérer mes âmes et on va aller faire ça. Hop, alors attention, combat contre Naruto. Non, c'est pas là où je veux aller. Alors je me blade quand même avec 25 000 âmes. Il sera peut-être temps de commencer à y penser. Thank you.
Bah voilà, c'est ça qu'on voulait. J'ai pas raté Henry, moi. Si, hein. Si, si, je l'ai raté. Bon, avec un peu de bol, j'ai le temps de terminer les catacombes et puis je vais aller me coucher parce que là, vous l'entendez, ma voix n'est plus là. J'espère qu'elle sera de retour demain, parce que je voulais faire une vidéo. Puis bah, si c'est pas le cas, vous aurez la VOD à la place. Ça râlera sûrement un peu dans les commentaires. Spoiler, les gens râlent toujours dans les commentaires, donc c'est pas, faut pas se formaliser. La roulade invisible. Ça peut être pas mal. Ok. Mourir juste avant le feu de camp. Super. Ça va être un petit peu galère. Si, si, je devais rendre l'armure du chevalier au nu, on va y aller. Je suis pas allé au Hellfest, j'écoute pas de métal. Mais j'avais vu la vanne. C'est juste que j'étais en train de mourir. Et que c'était triste. Ah super. Eh ben voilà, super.
Bah, jouer à Dark Souls 1 sans le DSX sur PC, c'est quand même assez galère. Il faut pas se mentir. Oh, ça me ferait chier si je perds les 27 000 âmes, mais je vais quand même envie de courir, hein, comme un dératé, pour voir si j'arrive à les récup. Et sinon, bah tant pis. On va faire comme ça. Ok, bon, bah, ça s'est quand même mieux passé que ce que j'imaginais. Alors, je peux monter quoi là, ma vie? Ma vie, ça va. Alors maintenant il m'en faudra 5. Ah, je reste à C. Je crois que les cestus, ça monte à B ou pas? Non, c'est C, on avait dit les cestus. C'est pas très grave. Écoutez, on est à la moitié des catacombes. Ça fait un peu plus de 3 heures que je joue, donc je vais vous laisser là. Moi, je vais aller me coucher parce que je commence à vraiment sentir la fatigue et en plus ça s'entend, ma voix n'est plus là. En tout cas, je trouve ça super drôle, le run full cestus. Je sais pas si vous, de votre côté, vous vous amusez autant. Merci à tout le monde qui a suivi, que ce soit sur le chat ou vous qui êtes en train de regarder la VOD sur YouTube. Merci aux gens qui se sont abonnés, qui ont fait des dons, parce que vraiment, bah, c'est super gentil, quoi. Et écoutez, moi, d'ici là, quand est-ce que je vais pouvoir restreamer? Peut-être pas demain, fin de semaine, je sais pas, mais bon. On va essayer de trouver du temps à un moment donné, ça c'est sûr. Et puis bah écoutez, en tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc bah, je vous fais des bisous et je vous souhaite une excellente nuit. Salut à tous.